Lorsque nous avons commencé à gommer contre Jovenel depuis 5 décembre 2017, le premier match qui était fait contre l'impunité, que nous demandons de battre Jovenel. Nous avons connu la bataille contre Jovenel, contre PHK, ce n'est pas une bataille qui a duré deux jours. La quantité de cargaison d'armes, M. PHK a rentré dans le pays. Donc ça n'est pas étrange pour tout le monde. Dans tout quartier défavorisé, M. a distribué les armes. Donc ça veut dire avec toutes les armes, ça a gagné une bataille n'est pas facile. Donc je dis à que tout le monde d'accord, M. Jovenel, non seulement il est illégal, il n'a pas de mandat, mais son criminel notoire. Et c'est au monde lui-même qui a une mission pour qu'il élimine la classe moyenne, pour qu'il élimine la population. Donc je dis à que nous pas qu'à décourager, il faut que nous continuions à gommer. Et généralement, lorsqu'on va gommer, la bataille n'a pas jamais déterminé combien de jours la durée. Donc, on va battre jusqu'à ce qu'on porte victoire. La seule chose que nous connaissons, peuple pas jamais perdu la bataille, qu'il a continué à boumer contre Jovenel jusqu'à ce que Jovenel quitte le palais national. Et une chose qui a profité, et puis la presse pour nous dire, pour nous dire qu'on n'a pas occupé la déclaration de Liné Balthazar, c'est diversion. Son façon pour que nous nous démobiliser, son façon pour que décourager nous pour ne pas continuer à boumer. Donc, même côté Liné Balthazar, la parle de référendum pas possible, même côté à nous, dans toute ville provinciale, il y a installé bureau. Bureau est installé pour qui ça? Son façon pour qu'il soit capable de continuer avec le référendum. Donc nous-mêmes, au niveau des rassemblements contre l'impunité, nous croyons que la bataille est une bataille qui est logique, qui vaut la peine pour que nous continuions à gommer jusqu'à ce que nous jouions des pages journal dans le palais national. Merci. Que ça fait un pile mouvement que fait déjà pour voir Jovenel aller, mais ça va jamais arriver fait. Ça qui motive nous en plus là pour nous venir manifester toujours. L'éclair aujourd'hui à la population supposée comprendre que bataille pour liberté, bataille pour bien-être, c'est pour une lutte qui est jamais facile. De 1625 à 1804, près de 300 ans, ils ont cette bataille pour atteindre la liberté. Finalement, c'est en 1804, bataille s'est atterrie. De 1804 à 2021, son longue bataille pour bien-être. Jusqu'à présent, bataille pour bien-être, ça n'a pas jamais réussi. Et nous-mêmes, génération Jodia,
jeunes garçons, jeunes femmes, nous inscrivons nous justement dans la perspective bataille pour bien-être. Et automatiquement, je dis à la bataille pour bien-être, vous avez de forces impérialistes qui campent en face vous. Parce que force impérialiste, vous avez tiré avantage dans la mise en force impérialiste, vous avez tiré avantage côté les rejoindre espace pour vendre des armes, pour vendre munitions. C'est sous mise, c'est sous pauvreté, vous faites richesse. Bataille population a mené, je dis à la clair. Ce n'est pas uniquement une bataille contre Jovenel Moïse. Mandal fini. Depuis 7 février 2021, mais son bataille pour changer les conditions de ville. Je dis à Fon Clair, il y a des données. Nous avons mais nous là, c'est des données qui crient. Quand est-ce que je dis alors parler de l'État haïtien, il continue à embaucher ensemble de monde pour faire lobby dans l'international là pour lui, particulièrement aux États-Unis. Bon article à peine sorti que Jacqueline Charles écrit dans Miami Herald. Il dit, on se lobbyiste, je dis à dans le mois de mars là. Jovenel Moïse a payé 37 000 dollars américains, ça qui équivaut à près de 3 millions de gouttes. Pendant ce temps, sous terrain, je dis, ou bien de enseignants, capement de 4 de débit, 5 000 gouttes. Ou bien de élèves, capement de tical cafétéria. Ou bien de élèves qui disent, conditions par une pour apprendre. Donc c'est ça la population supposée comprendre. L'objet d'investissement de l'État fait dans l'éducation pour grand habitant. C'est aux environs 40 euros liés, oui, par habitant. La République Dominicaine, nous gagnons aux environs 180 euros. La comprendre ça, on a vu aujourd'hui. Donc ça veut dire, son société côté que, nous gagnons dans tête pays, on l'État anti-peuple, on l'État qui prend position pour côté bourgeois, on l'État qui anti-monde qui vit dans le quartier populaire, on l'État qui n'a créé aucune condition pour les gens vivre dans le commun. Donc bataille ça, c'est bataille pour bien-être. Nous disons population ça, même si nous misons en route, nous avons porté bonne réponse. Nous ne pouvons pas faire n'importe quelle transition. Nous pouvons faire une transition dure. L'aide dit transition dure, ça veut dire qui ça? Son transition, côté que nous avons un ensemble de coupés fâchés qui pourra le faire, un ensemble de pratiques antérieures. Son transition, il faut nous redéfinir le modèle l'État nous avons dans notre pays. On transition côté que minimum de bien-être, ça a rapport avec la santé, avec l'éducation, ensemble avec l'emploi, ensemble avec l'encadrement paysan. Il faut que minimum ça. Je dis à nous-mêmes, dirigeants du groupe, nous conscients. Nous disons bataille ça, nous prêts, nous continuons ensemble avec elle jusqu'à ce que nous jouions le résultat final là. Bon, comme nous connaissons, c'est tout à l'air qui a fait vie, c'est la troisième série qui commence aujourd'hui. Nous-mêmes, nous pouvons coller la dernière parce qu'on connaît une bataille pour capoter Jovenel sous pouvoir. C'est une bataille de longue haleine, c'est une bataille pour tout le monde pour coller la dernière. Nous-mêmes, en tant que travailleurs, nous pensons que la présence nous est importante pour nous porter en bourrade. Et même Jean tout, et après ça tout parler, nous attendons tout le monde dans le premier avec deux mai pour nous capables de continuer pour nous capoter le système corrompu qui là qui empêche le petit peuple à l'école, qui empêche nous jouer la sécurité, qui empêche nous jouer la santé dans le pays. Nous pensons que c'est la seule façon pour nous continuer, pour nous jouer et satisfaction à la revendication, c'est continuer la bataille là. Quoi groupe là, même si nous sommes pour ensemble de monde qui commence à blaguer pied le gouvernement ça, mais ça pour que j'aime toujours c'est Jovenel Moïse qui pour blaguer pied pour permettre que nous l'autre équipe qui vient pour une balle nationale parce que je dis insécurité nous pas capable de vivre là-dedans kidnapping non
nous pas capable kimber avec question kidnapping ça. Chaque fois là on a sorti dans la rue, vous sentez situation elle même difficile pour vous et par rapport avec Perez qui gagne. Et c'est dans l'optique ça me passe aujourd'hui là, nous va faire ça tout palais national là pour nous craser Mireille ça qui gagne qui fait qu'on va tomber dans Valéa pour nous dire Jovenel Moïse mandat fini depuis environ 4 mois. Ou pas voulez aller pour nous connaître qui ça la règle dans Valéa pour dire nous pas dans le référendum, nous pas dans l'élection. Mandat Jovenel fini, que Jovenel arrange pour la pige Benny dans la pénitence nationale pour crime que ça a fait, pour le dire que pas une fois de constitution pour qu'on blanchit de là. Dans le pays d'Haïti encore, d'après la constitution haïtienne 1927, amendé en son article 134.2 qui dit mandat constitutionnel Moïse fini. Moïse, c'est un seul citoyen qui est bien, je ne te dis pas, qui occupe pas les nationaux par la force, qui occupe pas les nationaux par son dernier force répressive en ce moment, parce que les gagnants, le groupe G9, les gagnants, les bandits armés, les gangs en ce moment, les gagnants, leur police en ce moment, les gagnants, All Black en ce moment, les gagnants, Annie, les gagnants, Bessap, les gagnants, l'armée rose en ce moment, qui a tout la population haïtienne, nous dit, c'est le bateau, nous ne sommes pas capables encore. Et là, nous dit avec la population haïtienne, non. Nous avons continué à battre là parce que dans la deuxième phase là, sous quatrième droit, nous avons le ciel ouvert, le soleil a été paraître, il était couronné avec l'arc-en-ciel qui montre nous un signe de soi, un signe de changement en deux pays d'Haïti. Et nous dit que jeudi à là, tout ça que nous allons faire, le ciel a pris note parce que c'est la Trinité. Le Père, le Fils, jeudi à 21, 2 plus 1, bon 3. 21 jours de Daniel, nous connaissons 21 prières de Daniel là, qui s'est débattu. 3 jours de prières de Esther qui s'est débattu. Et bien, je dis à là, nous disons que c'est la dernière tranche de bataille là pour que Jovenel quitte le palais national, lui pas président encore, lui son de facto, premier ministre démissionné, par exemple, premier ministre encore. Nous avons Mme Sisson qui a porté ce support à lui-même. Mme Sisson démissionné, ou bien il y aurait l'aile, il y aurait vocal. Nous gagnons. Religion pour la paix, il y aurait tiré Koyo dans le dialogue, pas de dialogue encore. Religion pour la paix, libre l'huile, l'écrasé. Et nous gagnons tout. Et Bini, sorti une note négative pour dire que l'IPA a supporté le gouvernement de facto, le gouvernement sanguiné, qui a fait crime dans le pays. Et bien, situation pas propice pour un référendum dans le pays pour organiser l'élection. Ça veut dire que nous commençons à porter la victoire. Bravo avec la population haïtienne, bravo aux militants conséquents, militants qui ont bataillé. Nous disons bravo parce que Mme Sisson, ambassadrice américaine, n'est pas là encore, elle a révoqué. Bini sorti une note, il dit que il va supporter le gouvernement ça encore et pas qu'il y ait un référendum, pas qu'il y ait une constitution. Le premier ministre ça qui motive nous, c'est parce que dans l'agenda, c'était 3 séances de 7 tout palais. Et la première séance que nous avons fait le 7, deuxième non, le 14 et jeudi à le 21 qui c'est dernière 7 3. Mais ce n'est pas un 7 tout palais nous faire pour bon plaisir ou bien pour nous faire marcher. Mais c'est un signe qui est très symbolique et qui grandit la puissance énergétique qui monte là-dedans. Donc dans ce sens, nous continuons à faire 7 tout palais contre le dictateur. Contre kidnapping. Nous disons pour qui ça? Ce n'est pas kidnapping, ce n'est pas spécialement kidnapping. Il y a fait sous Mounio, non? Mais c'est kidnapping Jovenel Moïse fait sous constitution, sous Haïti en général. C'est kidnapping ça qui mène nous vers la dictature. Qui donc, dans ce sens, nous avons marché pour nous défendre la droit constitution, nous, surtout article 134-2A. Et article 284 là, qui donc nous sommes ça, nous demandons avec toute la population haïtienne pour y avoir été cohérent et pour y avoir été ferme avec la bataille là. Mais tout nous rappelé avec toute la population haïtienne. Il y a Marie-Jeanne qui était dans la crête à Pierrot. Les messieurs ont mouru de faim en deux fort crête à Pierrot. Les ont été soif, glos, les ont pas de café, ils ont été peur. Ils ont pas voulu sortir pour l'armée Napoléon. Bakyo, et bien te go Marie-Jeanne qui t'a fait va et vient sous toute fora et qui t'a dit messieurs en avant, boulette c'est poussière, nous sortis dans fora, nous pas arrêter mourir de faim. C'est une façon pour me dire avec la population haïtienne. Nous pas gagne pour nous peur balle, nous pas gagne pour nous peur gaz, nous pas gagne pour nous peur pour nous venir bataille ni déconcentrer. C'est pour nous avancer pour ennemi en ouais qui résultat que nous kabaye parce que les Marie-Jeanne te dit messieurs dames ça.
tout messieurs dames yo yo te levé campé yo te sorti et yo te vic l'armée Napoléon l'armée française là li te étonné les yo te ouais bravo ça et bien ça m'a demandé à population haïtienne pour que même bravo ça dans crête à pied roi dans bataille ça. Merci beaucoup. Même handicapé et moi même représenter mon handicapé c'est ça Yves Brunel là toujours dans mouvement chaque temps parce que nous mettez pied nous à terre parce que régime PHTK fait nous en pile abus. Nous même nous pas supporter encore mais quoi groupe gang et qui dirigé par et barbecue à Genève et allié et le sous il a maltraité nous yo rentré sous piste 24 à 25 mai 2020 yo boulé caille yo boulé un paquet caille yo tué deux mon handicapé yo boulé yo et puis même bonne net ça yo toujours en dans camp il a fait appeler les beau temps et il a couché mon handicapé yo il a bail mon qui bébé oppression. Nous même nous dénoncer ça n'a pas dénoncé et corps gang que yo mettez dans CAS qui a volé corps handicapé yo nous même nous pas d'accord si on handicapé pendant y a fait distribution le jour handicapé a pas venu comme ça tout est Sylvine dans demain yo dit puisque on bat là dans jodi ou pas au jour pour là ou tout prend comme ça nous même n'a pas dénoncé ça yo parce que nous pas d'accord agent et ça bagarre a fait ça fait nous mal. Handicapé, sorti dans un concours, OMH organisé, c'est pas faire à faire, non? Et dans l'école, nous participons dans un concours, qu'on y a un bon, qu'on y a pour intégrer dans le ministère qui a parti avec eux. Jusqu'à présent, je ne vais pas vous mettre là, je prends 2-3 graines dans eux, jusqu'à présent, reste là, pas qu'à travail, parce que est passé à passer dans l'entité. L'île est le temps. Pour le régime, ça se passe passer mon handicapé dans Tintin. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous pile le béton pour nous dénoncer tout ce genre de bagages. Parce que nous-mêmes, nous voulons que. Nous voulons qu'on l'autre vent vanter sur nous. Et peut-être ça, si c'est vent régime PHTK a mal vanté nous, et liba nous problèmes, liba nous maladies, liba nous choléra, liba nous toutes formes de maladies. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et peut-être ça, nous voulons faire 7 tours, Jéricho. Nous ne pouvons pas vent PHTK a vanté sur nous encore. Pour quitter le pays, bah nous une chance, bah Haïti une chance, bah mon handicapé une chance pour aller dans tout. C'est pour ça. Ça veut dire les ont attaqué nous sous piston là, quand nous t'ai brûlé, c'était barbecue qui était dans tête mon ça. Mon cher, c'était nèg barbecue, même barbecue était là et devine achat. Yo brûlé quand il mon handicapé, yo touyé deux mon handicapé, yo metté on dit fait yo brûlé yo et bon nèg ça aucune cap coucher mon handicapé. Avant hier là, yo monté dimanche dans yo monté à deux jeunes yo vinn avec deux jeunes garçons bien portants yo vinn tirer en dedans piste là et avant hier là gagne un handicapé gagne un partenaire un frère handicapé qui dit ah nous pas capable vivre à gens de nèg ça yo et bon monde ça nous pas capable vivre bon côté yo et bien bon nèg ça yo râlé en présence monde vers 11h30 dans matin yo râlé les amis il dit on pas jamais dit ça encore li bay handicap et li bay monsieur chaque un balle dans pied il casser bien. Je dis, mais avant elle là encore, on handicapé, a plavé, on moun soud, et tu as des bribales, tout le monde courit, même nous ne pas attendre, qu'on y a le bon bal, bon code, il était enceinte, puis il a mouru, et je dis, l'hôpital Benamez, c'est bon code, il fait besoin. Nous demandons, lever mon handicapé, pas quitter au sous-piste, depuis l'attaque qui était faite 24-25 mai, nous te ouais, bagala pirède, yo te dit nous oui à lever. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas jamais levé. Mais quand il y a c'est couché, il y a couché mes studio, et couché, il y a couché mon handicapé, il y a fait des jacques sur nous. Nous nous demandons, s'il vous plaît, levez. Comme vous pouvez aller, comme qu'on n'est pas fait pour nous, mais nous avons souhaité dans le prochain gouvernement. Dans la transition, c'est vrai, pas vrai, il faut que vous levez mon soupçon, il faut que vous mettez l'autre côté pour nous, parce que même nous, même nous, PHTK, le jour arrivé, il faut que vous allez, nous même pour les gens, nous accompagner la population, nous accompagner le peuple là. Et nous demandons tout, monsieur Kassan Marozo, lâchez paix, lâchez mère, parce que l'Église catholique fait un pile pour mon handicapé. Nous même nous pouvons dire ça, nous courons le mouvement l'Église catholique là. Je ne veux dire, si un pile mon handicapé pas mourir la faim, il n'y a pas mourir avec tuberculose, c'est grâce à l'Église catholique. C'est peut-être ça, nous-mêmes, handicapés, nous faisons seul avec l'Église catholique pour nous demander libération, paix après tout, que aucun béa. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous prenons béton pour nous demander libération, pour nous après les abats kidnapping, après les abats insécurité, nous faisons cette tout par là pour nous aider pour voir ça à terre, pour que vous pouvez haïtien, avec mon handicapé, car allons bon souffle. Merci. C'est ça,